Bonjour, enfin bonsoir, enfin bon, selon l'heure à laquelle vous regarderez mon journal du dimanche 10 novembre 2013. Oh, 2013, pardon Thérèse. Bon, pour la première fois, Roger Federer n'a pas battu Rafael Nadal en indoor. À London, à Londres, pardon. Le Mallorquin, Palma de Mallorca, c'est logiquement qualifié pour la finale du Masters. Rafael Nadal s'est imposé 7-5, 6-3. Bon, au moins, pour le premier set, ils ont dû aller au tie-break. Ah, bon, allez les filles. Encore une image de Rafael. Samedi 9 novembre vers 20h15, un départ de feu à Reconvilliers, Jura bernois, était signalé auprès de la centrale d'engagement là. Police cantonale bernoise, immédiatement alertée. Les pompiers ont constaté à leur arrivée sur les lieux qu'un hangar plein de bois était en flammes. Heureusement, personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet incendie ainsi que le montant des dégâts. Bref, il y a tout brûlé. Les assureurs ne sont pas contents car ce n'est pas le premier incendie à Reconvilliers et va-t-on la renommer la petite ville des grands feux? Miss Univers 2013 a aussi la nationalité suisse. Eh oui, elle a un passeport suisse. Miss Venezuela, oh là là, a remporté samedi soir le titre de Miss Univers 2013. Gabriella Isler, bizarre comme nom, elle passe pour Suisse puisque son grand-père est d'origine lausannoise. Bon, beaucoup disent que Lausanne est la capitale gay de Suisse et n'arrête pas de produire des miss. Alors, amis lausannois, continuez à vous chatouiller les sphincters et laissez-nous les miss. Merci. Vous avez un smartphone BlackBerry. Enfin, je vais finir par faire une série sur le Qatar. Et oui, maintenant ils renflouent BlackBerry. Et oui, même les Canadiens se font catarrer. Bon, je ne sais pas parler arabe avec l'accent québécois, mais ça doit être assez drôle. Ah là ouais. Bon, pour info, on m'a volé cette mallette. Alors, vous êtes prié de me la rapporter. Enfin, j'aimerais bien. Bon, finalement, la Suisse n'est pas le pays le plus riche du monde. Non, 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 elle est septième. Hein? Des pays qui comptent le plus de millionnaires. Enfin, ceux qui ont plus de 30 millions de dollars. En dessous, on ne compte pas. Zut, la prochaine cagnotte de Suisse Loto sera que de 26,5 millions. Même pas de quoi rentrer dans ce classement. Bon, alors, bonne semaine et n'oubliez pas, on vous ment. Et si c'est vrai, qui ment? Alors, bonne suite. Bye bye et à la semaine prochaine. Ah, petite info pour les geeks. J'ai enregistré cette vidéo avec mon PC car la webcam HD n'est pas compatible avec mon Mac, celui avec lequel j'ai fait le montage. Donc, Mac et PC s'entendent bien finalement. Allez, bonne nuit. Enfin, bonne journée. Enfin, bon, tout ce que vous voudrez. Bye bye. Oh zut! Oh, c'est interdit de fumer en public. Je m'en fous, je suis chez moi.